prochaine fois, je vous tuerai tous jusqu'au dernier. Bon sang, j'ai tellement eu peur. Ça va. Long. Juste le temps qu'ils comprennent ce qui se passe. Maman, me laisse pas ici. C'est l'histoire de quelques jours. Tu verras, ça passera très vite. Suzanne, allons-y. Pas la peine de faire traîner les choses. Sois courageuse. Tu es forte. Je sais que c'est difficile pour toi de quitter ta maison et ta famille. Mais ici, on a de meilleures chances de comprendre enfin ce qui t'arrive. On trouvera un moyen de te protéger. Non, personne ne peut me protéger. Toutes tes affaires sont dans ce sac juste là. Cole et moi, on est juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si ça ne va pas, appelle-nous et on arrivera tout de suite. D'accord ? Bonne nuit, Judy. Nathan, ça ne peut plus durer comme ça. D'abord, il y a eu l'ami invisible avec qui elle discute, et ensuite les objets qui se déplacent tout seuls dans la maison. Et maintenant, ces choses qui l'attaquent au beau milieu de la nuit. Philippe, je sais que c'est difficile, non. Mais je... Non, vous n'en savez rien. C'est fini. On arrête. Je sais pas, dites-lui qu'on a dû partir, dites-lui. Dites-lui la vérité. Je me fiche de ce que vous lui direz, mais pas question qu'elle rentre à la maison avec nous. D'accord ? On veut juste retrouver ce une vie normale. Enfant. Vous êtes la seule famille qu'elle ait. Elle a besoin de vous. Vous n'allez pas l'abandonner juste comme ça. Elle finira par s'en remettre. Mais nous, on arrête de faire semblant. D'accord ? Soit vous lui dites, soit c'est moi qui le fais. Laissez-moi du temps, Philippe. J'ai besoin de réfléchir. Ne traînez pas trop, Nathan. Allez, Suzanne. Café ? Bonne idée. J'ai comme l'impression que la nuit va être longue. Merci. Ça a commencé quand, ces attaques ? Sa mère m'a expliqué que ça durait depuis plusieurs mois maintenant. Au début, elle pensait que c'était de simples cauchemars et que ça finirait par s'arrêter. Mais elle s'est rendue compte que c'était plus compliqué que ça. Ces marques qu'elle a partout. On dirait des griffures ou des morsures. Regarde un peu l'emplacement de ses blessures. Elle n'a pas pu se faire ça elle-même. Mais ça ne ressemble pas à des maltraitances. Peut-être qu'elle dit la vérité.
Peut-être que quelque chose essaie de la tuer. Quoi qu'il en soit, on peut dire que cette gamine a du cran. Oui. Elle a un profil psychologique très intéressant pour une gamine de son âge, ça c'est certain. T'as l'air mort. Pas trop posé un peu, je reste de garde. Je te réveille à 3h, ça te va? D'accord. Bonne nuit, Cole. Bonne nuit, Nathan. Un endroit pour me changer. J'espère qu'ils n'ont pas mis de caméra ici aussi. Allez, viens, monsieur Lapinou. On va voir où on va dormir ce soir. Je vais éteindre la lumière maintenant. Bonne nuit, Jody. Attendez! Laissez la lumière dans le couloir. J'aime pas quand il fait noir. D'accord. Ça va comme ça? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. N'aie pas peur, Aiden. On va dormir tranquillement. Il ne nous arrivera rien de mal. J'arrive pas à dormir, Aiden. Je crois que j'ai besoin d'une histoire. Ah!
te dis! Appelle un médecin, vite! C'est bon. Tout va s'arranger. Aiden n'a plus peur des monstres maintenant.